Partage Echo. N'oubliez pas de réagir sur l'interview via le hashtag Partage Echo sur Twitter. Alors, quand le Danemark atterrit dans notre émission, je vous présente Ruben Jagway, 25 ans, qui est un jeune Évrien titulaire d'une licence en management des organisations, aussi adhérent d'une association Inda Project. Un sandwich classique, mais toujours une explosion gustative, il est ainsi fondateur du concept Benny's Hot Dog. Bonsoir Ruben. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien. Ouais. Alors, toi, ça va ou pas? Ça va, il y a la forme. Ok, cool. Alors, comment va se dérouler cette interview? On va d'abord parler du projet en général, comment il a été créé, ensuite du concept, un concept qui est assez authentique, et de l'entrepreneuriat, la vision de l'avenir, et qu'est-ce qui t'a poussé aussi à entreprendre. Première question, donc d'où t'es venue l'idée? Bon, le concept de Benny's Hot Dog, en fait, c'était en 2013. Enfin, c'était pendant un séjour au Danemark. Et du coup, quand j'étais là-bas, j'ai vu en fait plein de stands à hot dog. Il y a plein de stands à hot dog qui se partagent les rues de Copenhague. Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas apporter ce concept en France. Parce que le hot dog en France, c'est rare. Donc, ça m'a inspiré. Et ensuite, dès que je suis revenu à Paris, j'ai travaillé dessus, justement, en tant que projet tutoré pendant ma licence en management. Et du coup, cette année, en fait, ça m'a permis en fait, de confirmer vraiment le potentiel de ce business. Et ensuite, après, je me suis lancé dessus. C'est assez marrant parce qu'on aurait pensé que les hot dogs, c'était plus New York, plus l'Amérique. Alors qu'au final, ça vient du Danemark, finalement. Le Danemark, donc c'est leur produit fort au Danemark. En fait, le hot dog, en fait, c'est un produit qui a su traverser les frontières. Je pense que partout dans le monde, on fait du hot dog. C'est simple, hot dog, c'est du pain et une saucisse. Et du coup, je pense que partout dans le monde, on peut trouver un hot dog. Mais l'origine vraiment du hot dog, ça vient d'Allemagne. Et ensuite, ça s'est vraiment développé aux États-Unis. Et c'est un phénomène vraiment là-bas. Et du coup, en Allemagne, en Suède, au Danemark, on retrouve la même image. Question, moi. Pourquoi on appelle ça hot dog? C'est chien chaud. Donc, manger du chien chaud, c'est peut-être. Il y a suffisamment de chiens à Évry. Donc, pourquoi pas avoir. Il n'y a pas de mot français pour ce. Fab, j'ai jingle pour toi, mais il vaut mieux pas que je les mette. Ah parce bon que... Pourquoi? Je sais pas, moi. Oh là là. C'est incroyable. On est en France, on parle anglais. T'es pas responsable, hein, mais c'est. Je sais pas. Je pense que la nourriture. Merci pour cette intervention très pertinente. La nourriture est internationale, donc je pense que c'est plus logique de garder le nom du produit de base. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ça. Je vais manger un chien chaud, s'il vous plaît. Moi non plus. Mais il y aurait pu avoir un mot français. Donc, on vous a vu sur différents événements, le Evry Game City 2, le passage à Skyrock avec le rappeur Niska. Donc, justement. Quelle est votre stratégie en fait? Vous êtes présent sur les événements ou c'est pour de la communication? Comment vous faites justement? Bon, par rapport à la stratégie, c'est sûr que comme le concept il vient tout juste de commencer, l'idée c'est vraiment de se faire connaître. Donc j'ai eu la chance d'avoir en connaissance Niska, donc il m'a permis aussi d'aller sur Skyrock et d'avoir cette possibilité de communication et cette possibilité d'exposition. Et du coup, je pense que ouais, la première étape, je pense, c'est vraiment, vu qu'on est sûr de notre produit, je suis vraiment sûr de mon produit. Donc du coup, maintenant, je pense qu'il faut le faire connaître. Donc je passe par les réseaux sociaux, je passe justement par des événements phares comme Evry Game City qui a rassemblé pas mal de monde. Aussi sur Essen Basket Game, voilà, avec les Dapunk là. Ouais, ça, avec la Vision 5, ouais, qui font du très, très 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 bon boulot sur Evry. Ouais. Et vraiment, j'encourage tout le monde à rejoindre la page la Vision 5 et franchement, c'est un bon délire. Donc justement, quels ont été vos principaux soutiens financiers, sponsors? Je pense que le premier soutien, c'était ma famille. Déjà sur le projet, vu que en fait au Danemark, j'ai de la famille là-bas, donc dès que j'avais cette idée en tête, ils m'ont directement soutenu. Ils m'ont dit ouais, pourquoi pas, je pense que ça va marcher là-bas, tout ça et tout. Donc ça m'a encouragé. Ensuite, le deuxième soutien, c'était justement mes profs à l'université qui m'ont accompagné dans toute la phase de préparation du projet, dans le business plan, hein, voilà, dans l'étude de marché, tout ça. Donc voilà, donc ça m'a vraiment permis de vraiment mettre le projet vraiment bien propre. Ensuite, je pense aussi que mes amis aussi m'ont permis, surtout mes amis m'ont permis de démarrer.
Je pense à Zia, je pense à Regina, je pense à Bilal, je pense à Adam, je pense à Sydney, à Sika. Et vraiment, ils sont toujours là à mes côtés pour me prêter main forte. Et voilà, sans eux, je pense pas qu'aujourd'hui je serais là, quoi. Donc dernièrement, vous avez lancé une collecte de crowdfunding, ouais, c'est ça sur Kiss Kiss Bang Bang. Est-ce qu'on peut expliquer un peu le principe du crowdfunding? Parce que je pense pas que tous nos éditeurs connaissent. En fait, c'est quoi en quelques mots? En fait, le crowdfunding, c'est un site de financement participatif. L'idée, c'est toute personne qui adhère au projet, qui soutient le projet, peut faire un petit don. Et donc voilà, en échange, il y a aussi des contreparties qui sont mises à disposition des donateurs. Et donc voilà, c'est une nouvelle forme de financement qui est en développement. Qui pousse votre idée en fait vers le haut. Voilà, ouais. C'est ça. Et aussi le crowdfunding aussi, c'est pas que des dons. Ce qui est bien aussi dans ce système, c'est que ça permet aussi de créer une communauté. C'est-à-dire que toute personne qui ne serait met un euro sur le projet, ça change complètement la donne du projet. C'est que cette personne, en fait, elle va relayer l'info, elle va vraiment s'intéresser vraiment sur le projet, elle va suivre tout le projet. Donc du coup, c'est une force en fait. Donc voilà, ça permet de créer une communauté, le crowdfunding. Et quel est ce but justement de cette collecte? Le but de cette collecte, c'est l'idée de... On veut développer le concept. On a commencé avec des chariots. On a développé aussi des paniers ambulants. Et maintenant, l'idée, c'est d'apporter une petite touche d'originalité ludique au concept. C'est de créer, en fait, de faire fabriquer un triporteur tout équipé pour faire des hot dogs. Donc du coup, c'est ça l'idée. Et on a 45 jours pour atteindre 5000 euros. C'est assez authentique, justement. C'est le food bike, c'est bien ça? Voilà, c'est le food bike. Ouais. Assez authentique, juste. Et moi, j'ai une question, c'est comment vous montrez votre authenticité parmi toute la street food, les food trucks qu'on peut voir? C'est quoi votre truc? C'est en plein sur le concept. Pour se différencier, Benny's Hot Dog, c'est trois choses. C'est des hot dogs revisités. L'idée, c'est de proposer une variété de hot dogs qu'on peut voir dans le monde. Dernièrement, on était à un événement qui c'était Miss Bénin France. Donc, on a proposé le hot dog béninois avec une sauce djaté. On appelle ça le hot dog djaté. En fait, c'est la sauce dja en fait qu'on retrouve au Bénin. Donc, on a fait ça à notre sauce et du coup, ça donnait le hot dog béninois. Et aussi, c'est une mobilité pratique parce que justement, on travaille avec un chariot hot dog. Et en plus de ça, de la mobilité, on apporte toute une partie d'animation sur les événements surtout. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur un événement avec nos t-shirts, avec nos casquettes, avec notre ambiance, notre joie de vivre, tout ça, ça crée vraiment une ambiance qui est assez conviviale et qui plaît au public. Et vous avez eu des retours dernièrement sur vos événements, votre présence, ça fait bien remarquer, bien votre ressenti sur votre travail? Bien sûr, on reçoit énormément de messages sur notre page Facebook. Et du coup, ça nous motive encore pour développer encore plus le concept. Et justement, c'est par rapport à ces retours qu'on a eu l'idée vraiment de partir sur ce triporteur. Très bien. C'est assez marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai participé à une conférence sur les entrepreneuriats, l'entrepreneur et les clichés qu'ils ont, qui vont avec. Donc, on a eu différents intervenants. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a différents types d'entrepreneurs. Et vous, justement, vous êtes quel type d'entrepreneur? Au niveau de la création, moi, au niveau de vos idées, vos motivations? Moi, en fait, moi, je pense qu'entreprendre, j'ai commencé ça vraiment depuis tout petit. Moi, peu importe le domaine, moi, je pense que j'ai commencé dans le milieu associatif au début, et même à l'école, sur des projets. Je pense que pour moi, ce qui me qualifierait, c'est vraiment l'idée de créer. Je me lève le matin, je sais que et j'ai rêvé d'un truc, il faut vraiment que ça se réalise dans ma tête. Il faut pas que ça soit qu'un rêve, il faut que ça se réalise. Et donc du coup, moi, c'est ça vraiment qui m'anime tous les jours. Peu importe le domaine, c'est-à-dire que aussi j'ai fait un petit passage, je suis vraiment passionné par le cinéma. Donc j'ai réalisé déjà des courts-métrages, j'ai participé aussi à des concours. Donc voilà, donc du coup, peu importe le domaine, j'essaie de m'investir du mieux que je peux. Justement, une détermination, la motivation, une vision. Mais est-ce qu'il y a aussi des difficultés qui vous ont freiné de temps à autre que vous pourrez partager avec les auditeurs qui peut-être aimeraient entreprendre, des difficultés à part entière? Je pense que la première difficulté, c'était au niveau financier, je pense. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de Benny's Hot Dog, c'est à terme de développer plusieurs chariots, d'avoir plusieurs emplacements. Voilà, on a commencé petit à petit avec un seul chariot. Donc si j'avais les fonds pour commencer avec une cinquantaine de chariots, j'aurais commencé direct. Mais là, je fais les choses petit à petit.
Moi, je pense que ma principale difficulté, c'était justement le financement. Mais voilà, j'ai travaillé un petit moment après mes études, justement pour mettre de côté et pour réussir à lancer ce projet sur fonds propres. Et justement, est-ce que vous avez encore une idée de projet, un nouveau projet, peut-être s'installer quelque part dans l'avenir? Est-ce que tu as envie de faire un restaurant plus tard? Est-ce que c'est tu as envie de lancer une franchise? Qu'est-ce que tu aimerais faire au long terme? Par rapport à Beniz? Ouais, par rapport à Beniz Hot Dog. Justement, bien sûr, c'est essayer de développer le concept au mieux. Mais vraiment, je pense que moi, ma priorité, c'est vraiment mon produit, en fait. Il faut vraiment que chaque jour, mon produit s'améliore, que je trouve des nouvelles recettes. Et ensuite, je pense que ça va venir tout seul. Parce que le concept, on l'a déjà, l'image, on l'a déjà. Ça plaît au public, mais vraiment, je pense que sur quoi il faut se concentrer, c'est mon produit. Et donc, je me concentre dessus, j'essaie de trouver des bons fournisseurs, j'essaie de trouver des belles recettes. Tous les jours, je fouille sur Internet, je lis des livres, des recettes. Donc, du coup, c'est ça vraiment. Je pense que c'est sur ça que je me concentre. Après, je pense que le reste, ça va venir tout seul. Et c'est ton entourage qui t'aide à faire qui fait Beniz Hot Dog? Enfin, qui t'aide, en fait, justement, à faire tourner Beniz Hot Dog? Ah, c'est toute une équipe, hein. Je suis tout seul là aujourd'hui, mais il y a toute une équipe derrière. C'est que, voilà, il y a toute une équipe, des fois. J'ai une idée comme ça, je soumets à mon équipe, et voilà, vous en pensez quoi de ça? Ah ouais, non, ça serait pas mal, non, on fait comme ça, on fait comme ci, on fait comme ça, et Beniz Hot Dog, je suis pas tout seul, il y a du monde derrière moi. Il y a du monde derrière moi. Donc moi, j'ai une question encore plus cursus, parce que tu es titulaire d'une licence en management des organisations. Ouais, est-ce que tu penses que l'aspect, les cours, tout ce que tu as appris dans ton cursus de formation t'a aidé justement dans cette entreprise, ou tu penses que c'était pas forcément, ou quelqu'un qui n'aurait pas fait ça justement, ou autre chose, aurait pu très bien s'en sortir aussi? Qu'est-ce qui en fait t'a aidé beaucoup, peut-être dans le management et tout? Je pense que ça va ensemble, je pense que ça va ensemble. Moi, je pense que l'école, ça m'a permis de me donner plus de confiance au niveau des chiffres, au niveau de l'étude de marché, au niveau du business plan. Et je pense que ça m'a vraiment permis de me donner plus de confiance, mais je pense que voilà, c'est, je pense là, le seul point, c'est la détermination. Toute personne qui veut monter un business comme ça peut monter un business comme ça s'il est déterminé. D'accord. Ouais. J'ai deux dernières questions. La première, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui peut-être aux jeunes qui aient envie d'entreprendre? Première question. Et deuxième question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver, si tu as un site internet, un Facebook, un Twitter? Et aussi au niveau du crowdfunding, combien aimerais-tu récolter? Voilà. Ok. Pour la première question, je pense que il faut faire, faut y aller. Au bout d'un moment, moi j'ai beaucoup hésité en fait. Avant de commencer, j'étais pas sûr. Oh non, c'est bizarre. Non, est-ce que ça va marcher? J'étais pas sûr. Une certaine audace. Voilà. Mais après, je pense qu'il faut faire le pas, il faut sauter. Et puis après, voilà. Après, il faut tester. Et je pense que toute expérience est bonne à prendre. Moi, aujourd'hui, ce que je vis, c'est magnifique. Je ne sais pas si ça va durer. Je ne sais pas si je réussirai à monter un truc qui va perdurer longtemps, ou une grosse société. Mais en tout cas, toutes les rencontres que je fais de professionnels, tous les échanges que je partage sur les événements, c'est qu'un plus. Et donc voilà, je pense que ça va être, en tout cas, par rapport à mon CV, je pense que ça va être la plus belle ligne de mon CV, je pense, au Beniz Hot Dog.